Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 27e épisode du Let's Play de Burnout Paradise Remasterisé. Et comme d'hab, on commence direct. On commence par la GT 2400. Sud-est jusqu'à Wildcats Baseball Stadium. Leur tourne. Ah ouais, je suis pas le tas quand même. Putain, elle avait de la patate de ouf celle-là. Tu as réussi ce parcours Burning et tu récoltes une autre voiture. Passe à la casse pour la Montgomery Sabotage GT 2400. Autour de la paix de vous. Va au nord-ouest jusqu'à White Mountain Wine Farm. Leur tourne. Ah, ils sont chocotates, eux. Allez hop. Tu as maîtrisé le parcours Burning P12. Alors tu gagnes la P12 Track Package Custom. Elle t'attend à la casse.
autour de la Inferno Van. Va au nord-est jusqu'à Big Sur Coast Guard. Putain, il y a une galère à tourner. Des balles avec les véhicules. La Carson's Inferno Burnout Racing Team Van est ta récompense pour cette belle performance. Passe à la casse. Autour de la Tempesta. Va au sud-ouest jusqu'à South Bay Naval Yard. Leur tourne. Tu mérites une Rossolini Tempesta GT pour cette victoire. Tu enchaînes les résultats. Bravo! Autour de la Opus. Va au nord-ouest jusqu'à Ocean View Country Club. Leur tour. Allez, quand même. Ah. C'est vrai, mais c'est comme ça. Thank you.
Juste attends. Tu as montré de quoi tu étais capable. Ta récompense pour avoir réussi ce parcours Burning t'attend à la casse. Et bien voilà les gens, c'est la fin de ce 27ème épisode sur le let's play de Burnout Paradise Remasterisé. Alors désolé de pas avoir trop parlé, c'est parce qu'en fait je tourne cette vidéo juste après de m'être réveillé. Du coup j'ai pas trop la patate pour parler, etc. J'ai quand même dit, j'ai fait quand même l'intro, j'ai parlé vite fait à par moment, mais parler comme les autres vidéos, c'est non, pour le moment j'ai pas encore la patate pour ça. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas là, sur cette vidéo là, je commence à avoir vraiment des voitures rapides. À faire les contours de la montre, c'est pas mal. Du coup, je pense que le titre de la vidéo, ça va être genre ça va très vite, ça va trop vite, un truc dans le genre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, du soutien, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous kiffez toujours le let's play du jeu ou pas. N'hésitez pas à partager pour faire un maximum de personnes qui découvrent. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes venu, vous plaît. Et si vous faites des petites vidéos, vous pouvez apprécier de vidéos. Allez,